deux complets. Terminé. Bien compris, Baz. Terminé. Très bien. Abattez-les. Quant au conducteur... Comment ça, abattez-les? On ne discute pas mes dents, soldats. Bah voyons. On va bien voir ce que le colonel pense de tout ça. Mon colonel, on a un problème par ici. Papa! Les gars! C'est nous! Aidez-nous! Ah non, mais qu'est-ce que... Artyom! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu parles d'une surprise. Colonel, ce sera la cour martiale pour chacun d'entre vous. Très bien. Tout le monde, la ferme. J'arrive pas à y croire. Mortel. Merde! Alors c'est vrai? Tu travailles pour eux? Tais-toi! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et puis on s'en fout, aucune importance. Vous n'avez pas idée du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. On est coincé. Hamza ne peut pas laisser passer ça. Sans les gardiens ne voudront pas. Non, je ne me tairai pas. À quoi sert ce brouilleur? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, mortes, jusqu'au dernier. Des femmes, des enfants. Je vous expliquerai plus tard, en détail. Grand-père, qu'est-ce qu'on trouve plus loin sur cette voie? La voie est sûre, au moins sur une centaine de bornes. On peut se mettre à l'abri, pas trop loin. Bien sûr, mais il faut se dépêcher. Ils ont appelé le croiseur. Très bien, messieurs. Artyom et Anna viennent de foutre un sacré bordel. Et ils peuvent pas rentrer à Moscou. La loi martiale exigerait qu'ils soient exécutés. Quoi qu'il arrive, il faut que je les fasse sortir de la ville avant que ça se complique. Mais vous, vous restez. Compris, Major? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ceux... Vous savez que c'est pas moi. Malentendu à propos du brouilleur. Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en coûte. Bien sûr, Artyom, Anna... L'ordre n'avance à personne. Si c'est pas vous, qui? Très bien, Spartiate. Foutez cela dehors et à toute vapeur. Viens avec moi, Artyom. Allons prendre l'air. Je suis contente que les gars nous aient soutenus. On dirait que mon père ne leur avait pas parlé de tout ça à eux non plus. On a passé 20 ans dans le métro à croire que le reste du monde avait été calciné pendant la guerre. Mais ils ont cerné Moscou avec ces foutus brouilleurs et on n'y a vu que du feu. Un plan parfait. Vous êtes un traître! Ça vous étonne? Vous allez où avec ce traître?
train, hein? Vous faites une petite balade, peut-être? Non, je ne vois qu'une seule possibilité. Vous avez été acheté et vous filez en droit de vos maîtres. Alors le verdict a déjà été prononcé? On n'aura même pas droit à un procès? Arrêtez un peu! Qu'est-ce que vous emportez? Les cartes? Les plans des défenses? Vous voulez vous offrir une retraite au soleil en échange de nos vies pour vous promener? Des plans? Trahison! On vous a obéi pendant des années sans poser de questions! On a versé notre sang pour la cause! Vendu! Ils nous ont détruits! Et vous? J'ai été soldat toute ma vie! J'ai consacré mon existence à mon peuple, mon pays! Mais pas question que je laisse tout ça à des parasites comme vous! Laisse ça à toi aimer, Artyom. Tu vas devoir être nos yeux et nos oreilles maintenant. Je pense qu'ils se préparent à vous attaquer. Alors ils vont transmettre des ordres par vos parents. On va tâcher de bien gagner du temps et de se couvrir si besoin. Mais, tu vois ce que je veux dire? Tu ferais mieux de rester très discret. Bonne chance.
seulement des traîtres, mais carrément des saboteurs ennemis. Pas trop congelé, mon amour? Tiens, essaie de te réchauffer un peu. Alors, quelles sont nos chances d'arriver à Yamantaou en vie, selon toi? Mon père n'a plus que ça en tête. Comment obtenir son pardon? Comment retrouver le métro et son ancienne vie? La vie à laquelle tu as toujours voulu échapper. Quand je pense que je voulais pas te croire. Aujourd'hui, quand je regarde ce brouillard, je me dis que notre avenir se cache peut-être juste là, derrière. À propos, le pont devrait plus être très loin. Merde! Un feu de camp! Des champs! Il y a des champs ici! Tire dessus! Quatre types dans un chariot! Tout le monde à son poste, vite! Artyom, tu devrais peut-être rejoindre la cabine! Tout va bien, Artyom? Bordel! C'est grave! On peut avancer? Non! On est bloqué! Oh, merde! Saleté de brouillard! On dirait qu'on a traversé un barrage. Qui c'était? Vous avez des uniformes? Non. Rien ne déloque. C'était juste une bande de vieillards. Des vieillards, hein? Au poste de garde. Ils auraient pu y mettre des femmes ou des enfants pendant qu'ils y étaient. Vous pensez vraiment qu'on les a trouvés, colonel? Ah, difficile à dire. Je m'attendais à les croiser plus tôt que ça. Le wagonnet se dirige vers le pont. Il y a des fortifications là-bas. Ça a l'air tranquille. Un village avec une église entourée d'eau. On a besoin d'infos. Tiens, Artyom, je t'ai mis un marqueur sur la carte. Vas-y et trouve tout ce que tu peux sur ce pont. Capturer un prisonnier, ce serait l'idéal. Anna, tu le couvres. Oui, chef. Je peux accompagner Artyom en soutien? Non, tant qu'on n'en saura pas plus, pas question que tu descendes de l'Aurora. Ces deux-là se débrouilleront très bien tout seuls. Yermak, combien de temps il faudra pour réparer l'Aurora? Je sais pas encore. Je dois vérifier le piston. Une c'est parti, Artyom. Ok. Au boulot, alors. Spartiate, tenez-vous prêt à assurer la défense de l'Aurora? Stéphane, David... Artyom, n'oublie pas ton sac à dos. C'est un nouveau modèle. Un atelier mobile, pour ainsi dire. Le manuel est à l'intérieur. La maison ne fournit pas les matériaux de confection. Alors prends tout ce que tu trouveras. Allons-y, Artyom. Faites attention à vous. Bon, bah, je crois que c'est tout. Ce barrage n'était pas très résistant. Et ces types, ils ressemblaient à tout sauf à des soldats. On aurait dit des vieillards. Soyez prudents. N'oubliez pas, presque tout le pays est détruit ou occupé. Même ceux qui parlent notre langue peuvent être des ennemis, par conviction ou parce qu'ils ont peur. Compris? J'ai entendu la cloche? On a dû leur filer les jetons. Ils sont peut-être au service de l'ennemi, leurs esclaves ou autre chose. On descend. Tu veux bien vérifier? J'ai inspecté les environs pendant que j'étais à l'intérieur. Ce pylône électrique fera un excellent poste de tir. On y va.
pas trop. Qu'est-ce que tu ferais si une bête sauvage venait dévorer ta femme? Artyom, il y a une barque près du quai. Ramène-toi dès que tu peux. Ok, Artyom, je vais grimper là-haut pendant que tu rejoins l'église en barque. Je te recontacte dès que je suis installé. Notre Saint-Père Silentius a commencé son sermon. Entre dans le temple et vois la lumière de la vérité. Notre peuple est pacifique, alors rengaine ton arme, s'il te plaît. Et bienvenue. Silentius nous tient enfermés ici depuis un an. Oui, c'est vrai que les gens du pont ne parlent pas aux hérétiques. Mais je vous raconterai absolument tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est la garde du pont. Silentius les a bernés comme les locaux, mais contrairement à eux, la garde est armée. Cours, il y a une sortie en bas. Une barque t'attend près du quai. On en a une aussi, mais elle est trop petite pour nous trois. Artyom, elle a raison. Fonce vers la barque. On la sauvera plus tard, t'inquiète pas. Où est cet hérétique? Il est arrivé dans une barque, pendant le sermon. Il continue. Bien, il était là et... Le diable nous a envoyé cet homme. Oui, je sais. Je vois. Très bien. Que Dieu te bénisse. Je vais continuer à chercher. Il est au centre de commandement. C'est pas ça. Mais on t'a donné le temps. Je vais faire de mon mieux, bien sûr. Merde. Ah, j'ai l'oreille de crash. Mettez pas le bras pour le lanceur.
depuis le début. Tu te rends compte? Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi? Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa? Parce que la guerre n'est pas terminée. Et vous vous comportez comme des gamins. Tous les gardes seront bientôt là. Mais... tirez pas! Je suis avec lui. John? Vous! Il faut filer! C'est à toi! Ils ont laissé ça poser ici! Il faut qu'on sorte là avant qu'ils récupèrent! Préparez-vous, les gars! Les gardes! Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes! Par ici, vite! Allons-y! Toute personne est proche. Qui êtes-vous? André Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Fiez, atteignez le hangar. Et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent. Je pourrais circuler facilement. J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Hey, les gars, soyez prudents.